Bonjour à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. D'abord, je tiens absolument à remercier Angel d'avoir parlé de moi dans sa dernière vidéo, d'avoir présenté mon oracle, l'oracle de l'eau ainsi que l'oracle Joyeux Noël. Franchement, je la remercie infiniment. Je suis passée de 222 abonnés à plus de 800 abonnés en 24 heures. C'est juste hallucinant. Je voyais grimper le nombre d'abonnés. Je disais, c'est pas possible. Franchement, merci, 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 merci. Merci de me suivre à tout le monde. Merci à vous aussi d'avoir cliqué sur le bouton abonné. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci. J'espère qu'on vivra ensemble de très, très bons tirages, de la complicité, des échanges. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous réponds dès que possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Vous m'avez tellement écrit de messages, commenté le concours de l'oracle Joyeux Noël. J'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai vraiment pas pu répondre à tout le monde. Mais si je vous ai pas répondu, j'essayerai de le faire. Mais voilà, ne pensez pas que je sais pas que je voulais pas vous répondre. C'est que il y a plein de messages que je vois pas en fait, tellement qu'il y en a eu. Ça a défilé à une vitesse. Merci beaucoup à tous. Et voilà, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire découvrir des nouveaux oracles, des nouveaux livres, des nouveaux supports divinatoires. De temps en temps, je vous ferai des tirages. Je vous présenterai mes nouveaux oracles et tarots. Enfin voilà, merci à tous. Merci, merci, merci. Merci à toi, Angel, une dernière fois. Merci. Donc c'est parti, j'arrête avec mes remerciements et là je vais vous faire découvrir un nouveau livre que j'ai acquéri hier au Furet du Nord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Cultura en fait, hein, c'est une librairie, plus dans le nord de la France, on va dire dans le haut de la France. Et en fait, c'est de Arcana Sacra, donc déjà je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais vu. Il est très 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 épais. Et je vais vous faire découvrir un petit peu. Le titre, c'est « Le tour du tarot en 72 jours ». Donc, top. Je vais commencer dès ce soir. Bon, quand je dis dès ce soir, il est exactement... Alors, attendez, il est minuit... 1h14 du matin. 1h14 du matin. Mais après ma petite vidéo, je vais commencer. Parce que, voilà, je suis trop pressée. Et, bon, je connais déjà le tarot, mais je veux absolument lire ce livre. Il m'a attirée. Et voilà, je vais vous le faire découvrir. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous raconte derrière le livre. Bienvenue au pays du tarot, où chaque carte est une aventure riche en découvertes. Ça, on peut le dire. Riche, il y en a des choses à retenir dans chaque carte. Ouh. Voyager dans le monde passionnant du tarot avec ce cours complet en 78 jours. Présenté de façon unique dans un format d'une carte par jour, ce manuel vous donne des bases solides sur le tarot et vous propose de nouvelles manières d'enrichir votre vie en vous servant de la sagesse des cartes. Marcus Katz et Tolly Goodwin, tarologues et enseignants de renom, vous font voyager carte par carte dans le paysage symbolique du tarot. Vous pouvez faire les exercices dans l'ordre indiqué ou étudier les lames à votre guise. Au fil des pages, les auteurs jettent un nouvel éclairage moderne et rafraîchissant sur les méthodes traditionnelles. Ils vous enseignent comment interpréter les tirages en les vivant sous forme de méditation, d'activité, d'affirmation et d'oracle. Découvrez les mots-clés de chaque carte et comment les utiliser. Allez encore plus loin avec des tirages portails qui vous guident vers une expérience extraordinaire et des cours intégrés sur la magie et les correspondances kabbalistiques. Non, le tarot n'est pas un simple jeu de cartes. Il s'agit d'un lieu où votre esprit rencontre les mystères, où votre imagination survole le paysage du temps lui-même pour obtenir des informations sur votre passé, votre présent et votre futur. Donc voilà un petit peu pour l'intro de ce livre. Et puis ben, je vais vous le faire découvrir tout de suite. J'espère que vous voyez bien, c'est pas évident comme ça. Donc voilà, on a un petit message des auteurs. On a des remerciements. On a le sommaire.
Donc, ce qui est original, on va dire, dans ce livre-là, enfin original, c'est que moi, je pensais qu'ils allaient commencer par les arcanes majeures, par, bah voilà, hein, par exemple, le fou, après le butler, la papesse, l'impératrice, paf, etc. Tac, 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 tac. Mais pas du tout. On va commencer le voyage le premier jour par le valet de denier. Après le valet d'épée, valet de coupe, valet de bâton. Après, on passe aux 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de bâton. Après, le monde, le jugement, la lune. Tout est mélangé, quoi. Il n'y a rien de. Enfin, je trouve ça super bizarre. Mais bon, pourquoi pas? En fait, à la fin du livre, vous avez le conte du tarot. Un conte, une histoire, en fait. Et la façon qu'ils ont procédé, ça raconte une histoire. Et peut-être qu'on va mieux retenir. Parce que moi, il y a des cartes, vraiment, je n'arrive pas à retenir. J'ai du mal. Oh, quelle horreur! Et du coup, ben, peut-être de cette façon-là, je vais mieux retenir. Donc, par exemple, pour commencer, première section, faisons nos bagages. Donc là, on va nous expliquer un petit peu comment on va procéder, de quoi on a besoin pour faire nos tirages, tout ça, tout ça, tout ça. On parle des tirages, de l'ordre des cartes. Donc là, vous avez la première partie, c'est des exemples de tirages, en fait, hein, tout simplement. Vous avez tous les exemples. Ce sont le tirage boussole, vous avez le tirage en tourbillon. Vous avez énormément de tirages, hein. Toute la première partie, c'est que ça, en fait. C'est que ça. Et c'est parti, je vais vous montrer. Voilà, on y va. Le tour du tarot en 78 jours. Jour 1, valet de denier. Humble commencement, arrivée de la fortune. Donc vous avez une photo de l'image. Les résonances, on parle de numérologie, astrologie, cabale, élémental, parfum, affirmation, méditation. Donc vous avez quand même pas mal de renseignements. Ensuite, une introduction aux figures. Enfin, vous avez beaucoup de choses, hein. Je n'ai pas tout lu encore, bien sûr. Hein. Je vais commencer ce soir après votre vidéo. On a les cartes dans votre vie, dans votre tirage, au niveau pro, sentimental, de la santé, des voyages et du mode de vie, au niveau des études, au niveau spirituel. Voilà. Connectez-vous à votre carte. On a les mots-clés. Aujourd'hui, vous bloquez cette carte en et en ne pas payer vos factures, ne respectant pas vos rendez-vous. C'est pas mal, c'est très intéressant. Et puis après, on passe au jour 2, le valet d'épée, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce livre-là. Et j'aime bien les livres épées en plus, moi. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. On a plein d'exemples de tirages tout au long du livre. Donc, vous avez mais énormément de tirages. Hein. Si avec ça, vous ne savez pas quoi faire. Et donc, voilà, je vais vous faire voir à la fin du livre. C'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre-là. C'est qu'on a. Je vais vous le mettre plutôt là. On a le compte du tarot en 178 jours. 1. Le fou, nous entamons notre voyage sans rien attendre, l'esprit ouvert. 2, c'est le valet de bâton. Et nous nous trouvons face à une route ouverte, pleine de possibilités. En 3, la tour. Bien que nous allions devoir bousculer nos vieilles habitudes et nos anciens comportements. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On a vraiment une petite histoire. Et je trouve ça hyper sympa parce qu'en fait, je trouve qu'on va beaucoup mieux retenir. Je trouve ça très sympa. Et voilà, après on a tous les résumés, un petit peu des cartes. Enfin voilà quoi. Un très très bon support pour mieux comprendre le tarot. En